Polytechnics Mauritius Limited, PML, fin créé en 2017. Seul objectif, c'est préparer un jeune pour le marché du travail avec un mélange de compétences moyennes et élevées grâce à ce système de l'enseignement technique supérieur. Code PML, un étudiant capable d'apprendre et gagner formation professionnelle en même temps. Nous avons plusieurs cours qui nous peuvent proposer. Nous avons commencé l'année dernière, c'est le dernier année de Polytechnique Mauritius, l'engineering. Nous avons commencé avec Industrial Logistics, avec un groupe de 40 élèves. Et nous avons déjà atteint le deuxième groupe, deuxième badge. Et aussi, nous pouvons ouvrir un peu plus de cours, c'est-à-dire dans un marché un peu plus niche et côté on a beaucoup de monde. Et surtout dans l'architecture et aussi interior design. Et aussi, nous avons ben, les restes clusters qui peuvent venir, c'est-à-dire nous pouvons avoir côté de laine, c'est-à-dire qu'on fait référence à laine, c'est railway. Côté de l'avenir avec le métro, nous pouvons avoir un pool de skill workers, surtout pour la maintenance et peut-être dans l'avenir, fabrication et tout ça. Parce que pour l'instant, nous avons juste un petit parcours de produits peut-être à QEP. Et après, dans l'avenir, nous avons besoin de beaucoup de gens pour maintenir le système. Et aussi, nous avons aussi ben des autres cours qui peuvent venir, qui est très intéressant, surtout dans la maintenance de l'aviation, et qui peut donner l'opportunité aux jeunes, et surtout aux Mauriciens, qui pas capable de payer mes autres à l'overseas peut-être pour l'étudier, pour le faire avec un cours qui est bien spécialisé là. Donc, nous avons l'opportunité, ce n'est pas juste pour travailler localement, nous pouvons préparer pour être capable d'exposer notre expertise, peut-être régionale, dans l'Afrique et surtout globalement, dans le monde entier. Parce que les cours sont des franchises, c'est-à-dire qu'ils nous peuvent prendre un cours là avec un pays qui est déjà avancé en termes de, d'expertise et qui pour aider après, dans notre avenir, si c'est envie, parce que nous pouvons focus un peu, nous pouvons concentrer plus le diplôme, qui est une première étape dans notre carrière. Si plus tard, vous trouvez, vous avez envie de faire un degré, vous avez envie de faire un master, vous êtes capable de faire ça. En même temps, vous êtes capable de travailler, vous êtes capable de faire ça en part-time. Okay? Donc, vous n'êtes pas brisé par certaines qualifications. Okay? Même avec un SC, vous êtes capable de notre rêve pour rester toujours réalité, comment nous dire. Okay? Donc, pareil, comment nous avons un nouveau cours de l'architecture qui ouvre la voie à être un registered architect de l'avenir. Bien sûr, il y a besoin de faire un degré, il y a besoin de faire un master, l'alial pour enregistrer comme un architecte. Nous avons beaucoup de réunions avec l'industrie locale. Nous essayons de comprendre qui est manqué là. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple de l'architecture. L'architecture, ce n'est pas juste un monde qui connaît le dessin. Okay? Mais le feedback que nous gagnons avec l'industrie, c'est surtout dessinateur là, il a besoin d'une plus grande vision. Quand il peut dessiner, disons, il peut dessiner dans la case, il a besoin de trouver quoi de une connexion électrique pour être, quoi de une plomberie pour être, quoi de des lots pour passer. Parce que de nos jours, nous ne sommes pas capables de faire la case, après nous avons besoin de casser certaines parties pour mettre connexion ici et là. Donc, il y a besoin d'une global vision, comment dire, comment dire, pour faire la case. Ça, c'est une affaire, une composante qui nous plug in dans le cours là, qui nous permet de, on dirait, fit in. And fit in the need of the local industry. Et nous faisons ça avec plusieurs cours, c'est-à-dire, comme nous avons un partenaire là, de nouveau feedback, et là, nous essayons d'implémenter ça dans un cours. Et nous prenons seulement un cours de niveau diplôme, degré aussi. Et nous avons aussi un short course qui nous fait pour une industrie. Parce que parfois, une industrie n'est pas disposée à avoir un employé sur un cours de 3 ans, qui est trop longue durée. Nous avons besoin d'un upgrading qui est bien court. Disons, un nouveau logiciel in implémenté dans la compagnie. Là. Donc, la compagnie vient vers nous pour faire un cours, customize un cours pour eux, pour aider les bien employés pour capable de servir sa logiciel. Là. Et de l'autre côté, nous avons plusieurs les autres cours aussi qui peuvent venir avec l'aquaculture et entrepreneurship.
c'est une combinaison, c'est-à-dire qui nous peut aussi inviter les jeunes, non seulement dans la connaissance, mais aussi dans une petite pensée qui est capable de devenir entrepreneur plus tard. Donc, nous pas nous pas une limitation à ça. C'est une skill. Si toutefois, il n'y a pas intégrer une compagnie, il y a un skill d'entrepreneur, il est capable toujours d'ouvrir sa propre compagnie. Et ça, c'est un peu, il y a même les autres cours qui peuvent venir, qui nous peuvent travailler là, qui nous peut informer la presse plus tard. Parmi ban cluster qui Polytechnique ENA nous fait créer un nouveau cluster qui s'appelle Logistics and Engineering. Et dans le côté logistique, nous lançons un nouveau cours dans le secteur maritime. Un ban premier cours qui nous fait lancer s'appelle STCW. Ça s'appelle Standard of Training, Certification for Watchkeeping, qui est recommandé par le International Maritime Organization. C'est un cours qui est compulsory, qui n'importe qui personne qui peut envie de travailler dans un merchant ship ou bien un cruise ship, il est obligatoirement visé dans ce certificat-là pour être capable de travailler en board. C'est un cours qui développe le personal safety techniques d'un individu qui dit connaît qu'il est besoin de faire quand il y a un abandonnement of ship. Il est besoin de connaître s'il y a un défait peut prendre, comment il peut réagir, qui est besoin de servir, s'il est besoin d'abandon the ship, qui est besoin de faire. Comment ils peuvent servir une life raft, comment ils peuvent servir une life jacket, communication equipment qui est besoin là, et tout ça là, PML, il finit purchase tout ce bon équipement là pour donner sa bonne pratique là, both in the classroom and at sea as well. Okay? Alors, quand vous êtes sorti là, vous pouvez gagner une expérience qualifiée, professionnelle dans ce domaine STCW là. Bien sûr, ça c'était le premier parcours. Nous avons les autres cours qui nous peut lancer bientôt dans le secteur maritime. Nous pensons pour lancer le Officer of the Watch, nous appelons ça OOW, Officer of the Watch, Deck et Officer of the Watch Engine. Et bien sûr, nous avons l'intention aussi de lancer un diplôme in Maritime Operation qui nous peut venir bientôt. Ça, c'est in the short term, mais bientôt, nous parlons de l'avant avec beaucoup plus d'autres qualifications qui permettent sans moine, c'est l'ambition du PML, pour qu'il nous capable de produire nos propres captains, nos first class mariners, ici même à Maurice.